Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps spécial où nous rendons hommage à notre pasteur, notre papa, le grand Baoba qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. Il est mort le 1er juin 2024. Ici, nous sommes là pour lui rendre hommage. Nous sommes à la résidence. Vous voyez bien comment est-ce qu'on a décoré. Il y a des gens qui viennent rendre le dernier hommage à notre cher pasteur, le révérend Baruti Kasongo. Ce qui fait que nous allons un tout petit peu nous entretenir avec les personnes qui ont travaillé pour lui pendant des années, des années, des années. Ils sont là, vous allez les découvrir tout au long de cette tranche d'animation. Mais avant cela, nous allons faire un tout petit peu le recap de ce qu'a été l'annonce de cette disparition de notre cher pasteur qui nous a laissé depuis le premier. Eh bien, ça a été un choc pour plusieurs et cela a entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais Dieu nous soutient parce que nous avons Dieu de notre côté. Eh bien, nous allons aussi avoir les avis des autres personnes qui rendent hommage à ces grands serviteurs de Dieu. Mais avant ça, nous allons prendre Maman Mangongo. C'est une femme qui a travaillé avec le pasteur Baruti parce que c'est elle qui s'occupe de la nourriture, tout ce qui concerne à manger, tout ce qui concernait à manger pour le révérend Baruti Kasongo, c'est elle qui les faisait. Elle va un tout petit peu nous parler combien de temps elle a fait avec le pasteur Baruti. Je suis avec Maman Mangongo, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Elle s'est occupée de la nourriture, tout ce qui concernait à manger pour le révérend Baruti Kasongo. C'est elle qui s'en occupait. Elle va un tout petit peu nous relater son histoire avec le révérend Baruti Kasongo. Maman Mangongo, bonjour. Ndjamba pambola yo. Maman pambola yo. Maman, tu es bien. Yo, zala kinani na kati ya ndako ya pasteur Baruti. Bon. Ngai azalaki neti lokolo aye moko papa ndenge azalaki soki ayambi bapaya azo présenté ngai oyo Mama Mangongo yenda lambelaka ngai ngai Mama Mangongo nde nalambelaka papa na biso. Mama Mangongo, osali combien de temps en tant que Salina pasteur Baruti à Ananda Kunaï? Pendant 2006. Pendant 2006. Depuis 2006, qui est le lot? Ok. 2006, Yo mutoz na lo landenga lo baki. Ozala ki na ye relation na ye envers bino batu bozaki ko sale pa na ye zaki ndenge nini. Ozala ki na ye papa malamu, patron malamu. Ozala ki ko sali sabi so ko yembi sabi so banzemo. Ermusu so ko na bimikuna. Aya kutinga ye Mama Mangongo papa. Zembo na biso wana nini toyemba to bando yemba na papa papa zalaki papa moko na yebite akanga kakanda te papa gentil papa moboto naza muto musala me papa zozonga lokola mwana na nasilika kasilika kona papa Baruti na wenze matati kipanga mama moko bayaka balobi balobi ezalaka likambo ya bana elekanaka bakali balobi o mama wana lobi oyo ayenda kozela soki paske Baruti akuti na voyage ya ye nakokende tina ndako na ye nakofinga ye nakolobela ye lena yoki bongo na panisi miso bayaka ebele abandi kotomboka nazolobela bango nazolela nazolenga motu lokola mosali ya nzambe monene boye mama
asali yonini, alobeli yonini. Na botala, mama wana, na bela kite. Kaka na maloba wana ya saki alobi, na bofinga ye. Na bofinga mwosi na ye, mama fo na biso. Mama fo ya kana wenzi ya matatiki bala. Atika lako tumo la basi ya matatiki bala te. Na lobeli mama wana. Eleki kaka, in semen. Papa seba ye kuya. Baninga nangana wenze, bakomi kuyebi sangai balobi, ah, ndenge papa ya kiboye, ifale mama wana kende kusenga paste baruti pardon. Ngana yebi si bango, eske ye, azana akozuyu ka kondamnasyon na mutema, ki ye lobaki mabe pona musali anzambi. Soke ya lobaki mabe, akoyo ka kondamnasyon, akoluka paste, so senga paste pardon. Asenga ka paste pardon te. Bazalaka na matanga, ye moko, alambi, maya kafe, butuko bimba, et comme na ba 4 du matin a telemi po pero dona e bembe bandaka ko yala ibanga a telemi po ke ne ko le la bembe wana a kwena se ko kwe ya wana ko kende na mutu yesu tongo e ko tana ya lendi totala bo o mama mapasa a kufi bantu ba bandi ko lo ba bandi ko ne ba bandi ko lo ba umuni ya finga ki pasne baruti témoignage ni nos bomba to bige ba témoignage ze belé mais oyo penza oyo bombi na motema na yo penza na bombi na motema na ngai papa nazala ki muto oyo natanga na ngai te na kokona na ngai te na kovanda pembe na mosale ya nzambe mosale ya nzambe munene oyo azwa ngai muto pamba oyo nalambe la kaye nakoma moto vale pona papa nakoma koyemba papa yembi singa nakoma moyembi pona papa na vio pona papa na ngai tetamboli na papa mboka ebele alingaka te nazangisa kampagne soki toki kampagne nalambi. Ce qui n'a pas de lamba, il faut qu'il y ait des campagnes. Ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas été, maman, maman, yo, qui n'a quitté. Papa l'inga capté. Papa l'inguité. Papa l'inguité. La zanga ka église. Papa l'inguité. Papa la qui s'est mis ça. Dengue à consambela. Dengue à consambela. Ah, Jésus. Merci beaucoup. Papa, patron Nangai. Maman Fo, maman Nangai. Ah, Nayabite. Maman Fo, maman Malamo. Pasteur Nabiso, papa Malamo. Papa Soga, la Mouki, Alingaya, Golia. Maman Mangoro, Tolé Mazembo. Nzembo Nabiso, Ananini. Voilà, wana bauti kolanda, maman Mangongo, c'était la personne qui s'occupait de tout ce qui concerne la nourriture du révérend Baruti Kasongo. C'est elle qui préparait à manger pour lui et pour sa femme. Et pendant longtemps, elle travaille depuis 2006, comme vous l'avez entendu dire. Et maman Mangongo n'était pas seule à travailler avec Beka comme étant la personne qui s'occupe de sa nourriture, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé dans sa résidence. Alors, on va écouter un autre témoignage d'une personne qui a aussi travaillé à ses côtés. Il s'appelle Dedi. Voilà, comme je vous avais annoncé, nous sommes avec le frère Dedi, lui qui a travaillé pendant longtemps avec le révérend Baruti Kasongo. Bonjour, Nzama Pambola. Amen, na Pambola Peyo, sœur Pascaline. Alors, frère Dedi, et vous savez son nanda quoi, révérend Baruti Ozaki Kosalanine? Ah, merci beaucoup. Nanda kouya, pasteur Baruti, na bande ko s'occuper, na bilamba na ye.
kolata na ye na bibliothèque na ye. OK. Ko arranger ba livre ba syllabus soba lingate angande mutu na kubongisa. OK. Titre par titre. OK. Soba commander nga bongisela nga titre boye ngane na ko arranger. Et puis avant bima a web sangai na lina kende telle place. Na web andenge ni na kolata. Na bon sabilamba na costume sobe zali place moko boye ya bon bon kaka na kochele safari. OK. Sobe zali randonnée na bon sa basket na ye jean na chapeau na ye ni ta frère Branham. OK. O sali combien de temps au travail na ye? Parce que premièrement nous on a sa concierge. OK. Ba détaché nga awa depuis 2012. OK. Le lotto ça 2014. Donc on sali pratiquement 12 ans. 12 ans. Oui, 12 ans. 12 ans nazalia. Pratiquement 12 ans. Non, on a rectifié mon cœur. Na ye awa na 2013. Donc 11 ans. 11 ans. Alors pendant tout ce temps au sali na ye, azala ki patron ya ndenge nini. Bon, pasteur Baruti azalangi na trois casquettes pour ngai na ndako pour na vivre penza ba fasciné nyoso ba casquettes wana nyoso. Azalangi premièrement patron, deuxièmement papa, troisièmement pasteur. Donc na koko détaillé azalaki patron leader. Atikala jamais ko ganga durant les 11 ans on a sali pa na ye agangela ngata mukolo moko te. OK. Alubaka mungongwa si mais ce qu'a lobby a link au reproché à Ogangati. Alors le bamungongo moko c'est yemo betami. Ou c'est corriger mbala moko. Wana na casquette na ye ya ki patron. Et puis abane ko pe sa conseil trop. À part ça, na kaka na casquette na wana ya ki patron, azala yi pe sous professeur. Chaque jour na bande ko apprendre le sika. Chaque jour, histoire. A vous raconter histoire, il y a conférence de Berlin. En 1885, à na chaque jour, na bande ko apprendre et loko ya sika et pas pasteur Barout. Ok. Il y a un professeur, patron. À part ça, il y a un papa, azo y a un chabinoise. A y a un bang aïe. Il papa vraiment. Il y a un motema. Azo peso conseil ndenge papa pesa ramwana soko ngo reçu faut za la boue ko sala ka boue te ko ganga ka te c'est ça. Alors casquette musu na lobaki ya pasteur chaque tongo abane ko tu na bobondeli so bwana bolembu atindi bino bo prier de prier ayoka bozo prier sans complexe bozo prier vraiment azo diffuser bino nini onction na ye azo pesa bino onction parfois ndenge to bandao bondela na cave akoya ko bondela na bino mais loko bandao kamusa biso soka ye ko bondela na biso na cave akoya lola mondimi. Okay. Toza na frère na biso mugonde bandao ko conduire prière wana ya cave ya ba travailleur ya ye ko vanda na sima loko la mondimi biso moko kaka na kubanga wana papa to na suka to lo banaye papa clôturer au pambo la biso pour papa nda pambo la rabana voilà. Ben to vivre ba casquette ne bongo patron azo compatir na ba poste na ba besoin na bino ba passi na bino patron en dehors ya salaire azo ko intervenir na makambo susu. Okay. Na makambo bele azo ko intervenir azo na mbeli ko intervenir en dehors ya salaire e bon patron. Et puis papa a un souci na bino. Na na tangia na zui licence na ngai awa. Azo tout na maramba classe, wana sko casquette ne ya ki papa. Bonyozo ke na classe. Azo ko apprendre bien na tangi na ipena. Azo pe sanga temps, temps ya osala musala ya pesi ngai. Donc a se privé na musala na ko gaya na service na ko gaya ko rendre ya tinga na ki classe. Patron mo rota ko linga ngo, mais wana sko akoma ki papa ki ndi classe zuma. C'est ça. Maintenant qu'il n'est plus, témoignage nini ya malam o yozo garder à part o nyoso uti ko tanga wana o vraiment o zo garder au fond de toi. Ba témoignage je sais belé
tant na bandai musala na bandai ko banga parfois soyo ngam tupe na arranger la chambre nai soyo na zo pour arranger chambre na zo banga ko simba ba tiroir nai na zo banga po o le dit que témoignage na zo banga parfois ko bonsa sambe tout na zo banga ko tsa maboko na poche nai mais témoignage na nango atikanga na simba partout tiroir nai même sika bomba ka mbongo nazo simba nazo panza ayeka katali alobi ah upanzi tiroir nanga bon ozo ko arranger abimi na tikinga non na moni loko na tela ando zela lobake awa ko simba kate interdit zala kite lieu tabou zala kite nazo simba partout sambe tout ba tiroir ba armoire d'ailleurs na yeba ki chambre na yeko le kayi moko parce que avant ça la likambo to simbe loko ko tuna ngai eloko bo che wapi eloko bo inazwa wapi. Donc, témoignage, mon coubouillé, ah, partout, Jésus na Jésus. Je me suis tout n'y ba monsieur, je balo barake, ba pasteur mingi, baza ba magicien. Yé pour le bananga bon abi papa. Ce qui bako le baba pasteur, baza ba magicien, ba tout nanga. Oza na voyage en États-Unis, nazo simba chambre na yo partout. Nazo simba ba tiroir, lieu tabou, ezate, interdit, ezate. Eza témoignage, mon nene. Et puis, il y a monsieur Kamusangaï. Pasteur Baruti a pesé un bon on a eu des montantes tant un bon on a loué les rana. Je me suis retenu papa. Comment vont-ils que l'angola tant un bon on a belé bas dollar. Na bon belo ya ngope ou eu des montantes ngope tabi na eu des ke aux amours ensemble. Aïe ben na ba intention ma bêté. Na kenge la mono tam soir au benda 100 francs non. On y a témoignage na tira eu moni na ngote. A ti kabino bo zape bele bo tangele mongo mambongo nae atiki bino akenae abinae biki bo zabana nzamba non 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 mona mutabongote vraiment merci merci sœur Pascaline. Vous venez là d'écouter l'un de ces hommes de main, s'il faut le dire comme ça. Et il s'occupait de la chambre du révérend Baruti Kasongo, il s'occupait de ses habits, de sa bibliothèque, de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Alors, ça fait mal de voir qu'il n'est plus. Nous allons continuer toujours dans les cas de témoignages de tous ceux qui ont travaillé, même si on ne saura pas prendre tout le monde, mais sinon, ceux qui ont travaillé avec lui dans sa maison, ils ont tellement de témoignages à partager. Nous prenons juste quelques temps parce que vous savez que la télé, c'est le temps. Nous le faisons simplement parce que nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir vous dire tout ce que les gens ont dans leur cœur pour le révérend Baruti Kasongo. Voilà, nous sommes toujours dans le cadre de témoignages parce que nous rendons hommage à notre papa, à notre pasteur qui nous a quittés depuis le 1er juin. Et puisque nous ne l'avons pas encore enterré, et même si nous l'enterrons, les témoignages continueront à pleuvoir parce que c'est un homme qui a beaucoup travaillé et qui a fait tellement de choses de la part du Seigneur. Et là, nous allons nous entretenir avec l'honorable Gonda qui est diacre dans Baruti Tabernacle, qui a aussi travaillé avec le révérend Baruti Kasongo. Honorable, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman Pascaline. Alors, vous êtes diacre dans Baruti Tabernacle pendant combien de temps? Je pense 8 ans. Hein? 8 ans. Oui. En dehors d'être diacre, vous avez travaillé avec le révérend Baruti Kasongo dans la maison des dons. Comment ça se passait? Le pasteur Baruti, il était d'abord lui-même vase numéro 1. Okay. Et le pasteur Baruti ne voulait pas. Le pasteur Baruti ne voulait pas qu'on donne des messages que tel est sorcier. Ok. Le pasteur Baruti ne voulait pas de messages que non, voilà, papa est sorcier, maman est sorcière. Et le pasteur Baruti ne voulait pas de messages quand vous êtes en train de donner des messages que non, il est envoûté par sa famille maternelle. Parfois, par exemple, famille paternelle, il ne voulait pas ça, il voulait la précision. Toi, Antoinette, tu es envoûtée par la personne qui s'appelle
par exemple, vous donnez le nom, Mambouini. Et on vérifie que dans ta famille, il y a aussi cette personne qui répond au nom de Mambouini. Okay. Donc, parce que vous voulez la précision. Ne voulez pas des messages avec des sons confus. Là, pour la maison dedans. Alors, vous avez travaillé aussi en tant que... Vous avez rejoint l'équipe du secrétariat particulier. Et donc, vous avez eu à passer beaucoup de temps avec lui. Comment ça s'est passé? Bon, d'abord, papa, il était un homme humble. Ça, tout le monde le sait. Quand il descendait, il s'est réveillé. Il descend de sa chambre, il entre pour prendre son petit déjeuner. Vous les saluez, il pouvait prendre son petit déjeuner. Vous êtes là, il termine. Si c'est, à part le lundi, c'était le repos du pasteur. Mais le mardi, mercredi, jeudi, il vous demande, frère, est-ce que Bandi Mazal Banda? Dès qu'il termine de prendre son petit déjeuner, Abimi ayem balamoko na bureau nae. Et puis le pasteur ne venait pas dans son bureau, la résidence, le main vide. Il venait toujours avec de l'argent. Quand il recevait, il prie pour toi. Oh non, papa, j'ai des maux de tête, je souffre d'appendicite. Il prie pour te donner de l'argent, va te faire opérer. Vous venez, vous avez un problème de loyer. Vous soutenez la prière, mais il te donne, la maison en question, c'est combien? Il vous donne l'argent. Donc lui, ça, donc, il est dans son bureau le matin, il va manger l'après-midi, vous allez à l'église, c'est une personne qui est devenue saint. Le 1er janvier, à 11h, je lui posais des questions, c'était un lundi, je lui posais des questions. Je lui posais des questions, j'ai dit, mais comment Dieu vous utilise, comment les miracles et tout. Comment vous pouvez nous dire que non, je vais ressusciter Ikio? Comment vous pouvez dire que prenez des photos, vous aurez la colonne de fer? Nous étions nous deux dans son bureau, c'était un lundi. L'honorable Kassanda était envoyé. L'honorable Kassanda était envoyé. Alors, je posais des questions, subitement il me dit, lui, il était dans son bureau, il me dit, Kendel Banda, Bapaya Bakoti. Eh, hey, frère, Kendel Banda, Bapaya Bakoti. Je sors de la Banda, je trouve l'honorable Deka avec sa femme, sa famille, au niveau de là où nous sommes, en train de venir. J'ai dit, honorable, papa, tu es au bord à l'Ukolo. Il m'a dit, Bimal Banda, Bapaya Baye. Et l'honorable Deka et moi, nous sommes entrés dans le bureau, dans la maison, là. Lui, comme j'ai toujours dit, il n'a pas imité Frère Branham, mais dans sa maison, dans son bureau de la maison. Comment il a su que dehors, il y avait des visiteurs? Et avec l'honorable Deka, nous avons posé la question, papa, comment vous avez su que nous étions dehors, les visiteurs étaient dehors? Abinon, Nazam, Bandiste, Koronarate, Kaza, Motumokwab. Dans la vie de papa, ces derniers temps, même il est dans son bureau, maman Ngongo qui a fait tomber une cuillère au niveau de la cuisine, il a fait tomber une cuillère au niveau de la cuisine. Papa, dans son bureau, il pouvait crier « Maman Ngongo, yundo kwisi luto ». Imaginez son bureau et la cuisine. Donc, papa était devenu très sensible. Même si il est dans son bureau, il pouvait me dire que non, Batwazo Kota Libanda. Il pouvait écouter les gens parler dehors. Donc papa avait atteint une dimension, on ne sait pas dire. Vraiment, vous gardez beaucoup de témoignages, certes, mais qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant qu'il n'est plus? Bon, je vis d'abord le pasteur, si vous m'autorisez. Le pasteur préparait sa prédication dans moins de 5 minutes. Il prend un papier, il écrit le sujet, l'évangile, chapitre, et puis il est en train d'écrire des citations de Frère Branham comme s'il y avait un projecteur derrière lui qu'on projetait les prédications. Donc, dans moins de 5 minutes, papa
il préparait, il avait les citations dans sa tête, mmh. le brochure, les années. Mmh. Ça, je suis témoin. Donc nous gardons, papa nous a montré l'amour, l'unité, le respect. Et papa nous a appris, il était humble. Vous pouvez sortir avec lui. Une fois on sortait dans sa voiture, il m'a dit, frère, je voulais entrer derrière, dans la Jeep, il m'a dit, hé frère, ok, je dis, mais papa, au début, toi qui n'es dans la Jeep, non. Bon, écoute, je suis dit, mais les parsecs à côté, dans la Jeep, maman a fait ça. À côté, mais maman a fait ça, t'es parsec, à zaté. Pourquoi vous avez dit, y'a qu'à, fais-le dans la Jeep, donc, il était quelqu'un, hein, vous pouvez s'asseoir avec lui sur le même siège, vous pouvez prendre des petits déjeuners avec lui, manger avec lui. Et nous avons, pour nous, nous regrettons parce que physiquement, papa n'est pas là. Mais sinon, il nous a montré, comme a dit le pasteur Carlos, il nous a laissé l'héritage du Saint-Esprit, il nous a laissé la foi. Merci beaucoup. Merci, que Dieu bénisse. Voilà, vous venez de suivre là l'honorable Gonda qui a travaillé pendant beaucoup de temps à ses côtés. Nous continuons toujours dans le cadre des témoignages parce que nous rendons hommage à ce grand monsieur, ce grand homme de Dieu qui nous a quittés, le révérend Baruti Kasungu, qui a été un papa, il a été un boss, il a été... il avait plusieurs casquettes, à vrai dire, et nous allons l'honorer parce que ce sont les derniers hommages que nous lui rendons. Alors là, je suis avec Don de Dieu Misele, qui a été parmi le premier journaliste de la RTVA qui ont travaillé pour faire évoluer la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Avec lui, nous allons nous entretenir. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Voilà, comme je viens de l'annoncer, vous êtes parmi le premier journaliste de la RTVA. Oui. Vous avez été encadré par le révérend Baruti Kasungu. Comment cela s'est-il passé? Bon, j'ai beaucoup apprécié d'abord le fait que vous avez dit qu'il était d'abord un papa, en plus un boss, et après un pasteur. Mais bon, pour moi, je vais inverser un tout petit peu l'échelle. Ça veut dire pour commencer d'abord en tant que pasteur, parce que je suis d'abord venu à l'église en tant que fidèle, dès le bas âge, tout petit. Après, il est devenu papa. Et bien après, il est devenu patron, boss. Bon, je veux beaucoup plus m'atteler sur deux points, parce que le fait pasteur, tout le monde est, tout le monde le sait déjà qu'il a été un bon pasteur. Il sait encadrer ses brebis. Mais quand je parle de lui en tant que patron d'abord, vous savez que la RTVA, c'est une chaîne confessionnelle. Oui. Alors, les sujets à traiter, et c'est d'abord des sujets qui ont trait à la chrétienté, à la vie spirituelle. Mais nous évoluons dans un monde où le média devait aussi avoir son espace. Oui. C'est-à-dire, tout c'est lui en tant que patron qui avait une chaîne de télévision, devait faire face à l'équilibre. C'est-à-dire, d'abord, prendre les choses en tant que chrétien et en plus, travailler en tant que média normal. C'est-à-dire, média normal, il fallait que ces médias-là génèrent des recettes, bien que c'était difficile, et aussi des choses à proposer aux téléspectateurs, devait être quelque chose d'attrayant. Vous savez que avec cette connotation qu'on a donnée aux gens du message, le brananiste, c'était difficile de convaincre à travers la télévision. Parce qu'on se demandait, les brananistes qui jadis n'admettaient pas la télévision, qui eux-mêmes dans leur maison n'avaient pas de télévision, qu'est-ce qu'ils allaient proposer d'intéressant? Alors dans ce sens, il fallait maintenant avoir un patron équilibré, un boss équilibré, qui à chaque fois qu'il y avait un sujet qui dérangeait, lui pouvait venir faire l'équilibre, mettre l'équilibre. C'était ça le pasteur Baruti. Je me rappelle. Vous savez que moi, j'ai détenu une émission qui recevait tout le monde. Okay. C'était une émission de musique qui recevait les musiciens, non seulement du message, mais aussi de ce que nous appelons les dénominations, les églises de réveil. Alors, à chaque fois qu'il y avait des musiciens que je recevais, qui ne rencontraient pas l'assentiment de certains frères et sœurs, moi, personnellement, je subissais la pression, je subissais des problèmes. Alors, il fallait maintenant que le pasteur Baruti vienne pour mettre l'équilibre, pour dire aux gens, oui,
il n'y a pas que les mauvais dans ce groupe des musiciens qui ne sont pas du message. Il y a aussi ceux qui ont des chansons inspirées et ceux qui, quand même, essaient de vivre, je ne dirais pas pieusement parce que sur Terre, il n'y a pas de pieux, mais qui vivent quand même par rapport à la parole de Dieu, correctement par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, à chaque fois que j'avais la pression, le pasteur venait, il calmait la pression et il me laissait faire mon travail. En tout cas, c'est comme j'étais en train de parler à certains amis qui m'ont appelé aussi quand ils ont appris la nouvelle. Je leur ai dit, j'ai eu un patron équilibré. C'est vrai qu'il n'était pas entre, il ne s'attaquait pas à ceux-là qui venaient s'opposer aux gens que je recevais, qui n'étaient pas de l'obéissance du message. Il leur parlait avec gentillesse, respect, et surtout sur base de la parole de Dieu. Mais tout en me disant, moi qui le recevais, de faire mon travail en tant que journaliste parce que j'étais journaliste professionnel. Alors c'est de ce côté-là que je le regrette. Je le regrette autant parce que je me dis, avoir aussi un pasteur équilibré dans le message, c'est pas chose facile. Ça, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'on a toujours dit que c'est quand quelqu'un meurt, qu'on lui fait porter la sainteté et tout. Mais je dirais en tout cas, côté boss, dans une chaîne professionnelle, avoir un patron comme le pasteur Barouti, c'était la meilleure des choses qui me soit arrivée. En tout cas, je suis très fier d'avoir évolué à ses côtés en tant que patron. Et aussi, du côté traitement, je ne me rappelle pas avoir fait, parce que nous avons commencé la RTV en 2003, et moi personnellement j'ai quitté en 2007. Toutes ces années-là, je n'ai pas connu d'impayement. Ça, il faut le dire. J'étais payé à temps, et à un moment même, nous on devait à la RTVA. À l'époque, c'était Papa Barouti Moulamba qui était le trésorier de l'église, et nous on était payés à partir de l'église. Alors, des fois, moi je me rappelle avec mon frère Barley qui est à l'étranger, à chaque fois qu'on était en manque d'argent, on allait voir Papa Barouti. C'était bien sûr avec l'aval du pasteur qu'on pouvait nous remettre l'argent avant même la date de la paye. Donc c'est comme ça que c'est passé. L'avoir en tant que pasteur, en tant que patron, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de bien. Et sur ce, on regrette vraiment son départ, quoi. On regrette son départ. C'est vrai, comme j'ai suivi dans une vidéo, il a dit qu'il avait fait son travail, il avait fait sa mission, et que la mission était finie. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu et le glorifier, parce qu'en tant que chrétien, nous ne pleurons pas comme des païens. Mais s'il faut parler en termes de regret, en tant qu'humain, nous avons perdu quelqu'un de si important. Alors, c'est vrai que vous avez cité beaucoup de témoignages, beaucoup de belles choses que vous avez eues à vivre à ses côtés. Mais qu'est-ce que vous retenez de lui en tant que serviteur de Dieu qui a servi ses Congos pendant plusieurs années? J'ai connu un souci, ça je crois tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont fréquenté l'église de Rigini à l'époque le savent. Moi j'ai été accidenté, j'ai connu un accident Dieu. Il y a une boîte de conserve qui s'est explosée, qui était mise sur le feu, sur le réchaud, qui s'est explosée. Et puis ça m'a rendu aveugle pendant 2 semaines. Je crois en tout cas tous les travailleurs de l'RTVA connaissent l'histoire, et certains membres de l'église. Alors j'ai été à l'aveuglette pendant 2 semaines. Quand l'information est arrivée auprès du pasteur, on lui a dit, il y a don des dieux qui travaille à l'RTVA, qui est ton fils, qui a connu un accident avec ses yeux et tout. Il ne sait pas voir, il est à l'hôpital, on est en train de le traiter. Le pasteur a dit d'abord à l'église, ça c'est ce que maman Afo me l'a rapporté après. Il a dit, maman Afo d'abord m'a dit, tu as fait pleurer ton papa quand il a appris que tu as connu l'accident, parce que c'était après que j'étais au travail. C'est à mon retour. D'ailleurs, je me rappelle le pasteur Carlos à l'époque, frère Carlos, comme tout le monde, m'avait demandé qu'on passe une nuit chez eux là-bas, à Mamoboutou. Moi, j'avais refusé, je suis rentré à la maison. Et en rentrant, je ne suis même pas rentré à la maison, je suis allé chez un frère. J'ai rencontré ce problème-là. Alors, pendant que le pasteur Barouti a appris la nouvelle, il a demandé à l'église, parce que c'était un dimanche, c'était le 25 décembre, il a demandé à l'église qu'on fasse la prière. Et dans sa prière, il a dit, je n'irai pas voir ces garçons avant que toi, Dieu, tu ne puisses recouvrir ses yeux. Qu'il recouvre d'abord la vue, ensuite moi je descendrai sur place. Le pasteur a prié, là Dieu de la chair, moi j'étais à l'hôpital. Pendant 1 semaine après, le pasteur ne venait pas. C'est quand j'ai retrouvé la vue,
Quand j'ai retrouvé la vue, quand j'ai recouvert la vue, c'est alors que le pasteur Barout est venu me voir. Donc ça, c'est un témoignage. En dehors de d'autres témoignages que je peux dire, tu souffres de la malaria ou tu es malade, comme ça, tu peux le voir, il t'impose la main et puis tu es guéri. Mais ça, c'était un témoignage très capital. J'étais à l'aveuglette pendant 2 semaines, tout le monde le sait. C'est vrai que j'avais suivi les traitements, mais c'est à travers la prière de Barout, le pasteur Barout, que j'avais recouvert la vue. Donc c'est aussi un témoignage. Merci beaucoup. D'accord, je vous en prie. Nous continuons toujours la série des témoignages. Nous étions à la maison de Beka. Nous sommes sortis pour vous montrer un peu la première équipe de la RTVA qui ont été journalistes. Et voilà, nous sommes encore retournés chez Beka. Et cette dame que nous allons vous présenter, elle a aussi été parmi l'équipe qui ont travaillé dans la maison du révérend Barout Kassongo. Et surtout côté cuisine. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani? Maman Fifi. Maman Fifi, maman Fifi ozalaki ndenga na otu koloba ozaki pe na kati ya bato ozaki kolamba e pa beka. Ozaki kolamba yo na maman Ngongo. Maman Fifi, o vivre pendant combien de temps awa na beka? Bon. Banda mobali na kufi ana sali 3 ans. 3 ans. Alors, o vivre na beka. Beka zaki patron ya ndenga nini? Ah vraiment. Asala ki papa malam po na biso nyonso. Azeng abanda ki kolinga komona ngana vanda na mawate. Okay. So akutinga kana mafasa lelo komoka lukana seka. So ka monyo olingolo ba mabe po na muninga atelemelio. Vraiment zaki gentil na biso nyonso. Ko seki sa biso nyonso. Papa malam vraiment na perdre na ebite oninga na koloba. Témoignage nini oya makasi ozo garder na mutu na yo na motema na yo oyo beka sali na vie na yo en dehors koza la patron malamu pona yo en dehors yenda zongse sengo na kufeli mobali nyo bacholi baseki balobi nyo sibakoki kolo ya lobi ya kanga na ozwa yo okay nga muko na ziba na charge pe asala ki yango atangi sibana Sous les lots, Azana L3, Azosilis, accomplir une mission à Maloubanaï. Vraiment. Vraiment, ça, papa, malam ou pour Nanga. Donc, on a pota mon col à mouté manangaï. Comment on a moutou à zone seke, c'est mon avis, Nanga akéi. Mais Nabi Kenzan Bazali. Non, Azana choc, il m'a casse. Merci beaucoup, maman. Merci. Voilà. Vous venez donc de suivre. Bye bye. C'est une maman qui a travaillé en tant que cuisinière chez le révérend Barout Kassongo. Ce sont les deux mamans, maman Ngongo, la maman qu'on a pris en premier, qui ont nourri le révérend Barout Kassongo pendant autant d'années. Alors aujourd'hui, il n'est plus. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui rendre hommage. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche spéciale. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de tranches à faire, mais nous vous donnons le programme officiel qui a été publié pour accueillir notre papa, le révérend Barout Kassongo. Lundi 17 juin, c'est le départ de la dépouille mortelle depuis Montréal au Canada. Ça va quitter la journée pour arriver ici, le mercredi 19 juin, le soir, à l'aéroport international de Ndjili. Et de l'aéroport international de Ndjili jusqu'à l'église Barouti Tabernacle. Et ensuite, l'église Barouti Tabernacle jusqu'à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, où sera gardé les corps et juin, ça sera l'organisation de préparatifs pour la prise des dernières décisions et le samedi 22, exposition de la dépouille mortelle au stade Tata Raphaël. Ça sera le jour et on va exposer le corps à Tata Raphaël le 22 juin. Ça sera un samedi.
Même samedi, c'est le jour où il y aura la veillée mortuaire. Ça sera toujours au stade de Raphaël, où tout le monde sera réuni, toutes les églises, tous ceux qui ont aimé le révérend Baroutika Songo, tous les Kinois et tous ceux qui viendront d'ailleurs, ils vont tous se réunir au stade Tata Raphaël pour pleurer notre ancien. Le dimanche 23 juin, enterrement de la dépouille au mausolée en Célé. C'est le dimanche 23 juin qu'il y aura enterrement. Et donc, ce sera le dernier jour où nous allons aller laisser notre papa se reposer au mausolée qui sera en Célé. Voilà le programme. Comment ça se passe, vous nous avez suivis. En cas de besoin, vous pouvez toujours nous contacter pour essayer d'avoir plus de précisions. Mais pour aujourd'hui, nous vous remercions. James Mousse a été à la réalisation. C'est lui qui a réalisé cette émission avec Hector Badibanga. Il y avait aussi l'assistance de Serge Mampandou et John Lussala. Nous vous disons au revoir et merci de nous avoir suivis.